Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Lucas où on va essayer de faire notre maison de rêve sur les Sims 4. Alors le souci, c'est que Sarah et moi, on n'a pas du tout le même style. Elle a un style complètement cocooning et moi, j'ai un style industriel. Alors je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. L'opposé, genre vraiment, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Genre, on est déjà en train de se prendre la tête pour la déco de l'appart qu'on vient d'acheter. C'est un calvaire. Donc comme vous l'aurez compris, ça va pas être facile parce qu'en plus, on va devoir faire ça en 30 minutes. Et on s'est mis d'accord pour partager le temps en 5 minutes chacun. Donc 5 minutes, je vais construire et 5 minutes, Lucas va construire. Ce qui est assez drôle du coup, c'est que pendant mes 5 minutes, moi, je mettre des trucs cocooning, comme vous le savez, parce que moi j'adore ça, mais pendant ces 5 minutes à lui, bah il pourra tout détruire ce que j'ai fait, donc ça c'est un peu moins cool. Donc écoutez, on espère que notre couple va survivre à cette vidéo, c'est parti. Ok, donc nous voilà dans le jeu Les Sims 4. Donc bon, on va commencer sans plus tarder, on va lancer le timer. Ok, bon, t'es prêt? Oui. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, je commence, hein, parce que la structure de la maison, attention. Alors, déjà, nous deux, on veut une maison un petit peu en L, déjà. On est d'accord. Comme ça, genre. Bon, de toute façon, tu modifieras après si tu veux. Comme ça, non, un peu. Genre, attends, est-ce qu'on la met un peu en hauteur? Vas-y, fais tes idées après. Bon, déjà, moi, je la vois comme ça. Ah, j'aimerais bien un Porsche aussi. Mais il dit que ça existe pas en France. Mais moi, je vais l'inventer. Il faut qu'on ait un Porsche. Moi, je me crois un peu dans Desperate Housewives, tu vois. Déjà, le revêtement extérieur, je sais même pas ce que je vais mettre. C'est beau ou pas? Non, c'est pas beau. Ok, bon. J'ai compris. Il y a pas besoin de commentaires. J'aimerais bien avoir des clôtures ici aussi. Alors, attends. C'était une serre ou... Mais non, mais c'est mignon. Ça fait American, tu trouves pas? Regarde, c'est trop chou. Bah, exactement, c'est ce qu'on veut. Oh, ah oui, je t'ai pas dit par contre. Je fais trop la meuf, mais je dois t'avouer quelque chose, mes abonnés le savent aussi. Je suis très nulle pour faire les toits. Je pense que tu vas le remarquer assez vite. Même toi, je pense que tu peux faire des plus jolis toits que moi. Il y a rien de compliqué. Bah si, c'est dur, hein. Mais là, par exemple, je sais pas quel toit mettre. Bah attends, à mettre un toit comme ça. Comme ça, non? Fais. Bah il faut quand même que tu commentes. Là, pour le moment, est-ce que ça a tiré, non, genre, cette va. Forme? Ça va. Genre une église, tu vois, c'est... Mais non, pas du tout, c'est notre maison. C'est une église. Mais non, c'est trop beau. Les tuiles, des cailloux. Non, je rigole, c'est une petite boutade de Marie-Sarah. Ah, un peu noir comme ça, non? C'est beau, sérieux, hein. Sérieux, t'aimes pas genre le style, tu sais, dans le sud, là, les tuiles un peu du sud. Les tuiles du sud, genre ça. Elles sont un peu orangées. Comme ça? Ah, je sais pas, non. Non, mais tu changeras si tu veux. Moi, je mets ça pour le moment. En termes de revêtement extérieur, je sais jamais quoi mettre, mais je vais mettre... Attends, je réfléchis. Je vais faire une maison comme ça. T'aimes bien le style américain, je trouve. Bah, je sais pas, c'est ce que je construis le plus. Mais là, t'as raison, en fait, le toit, il... Eh ouais, le style américain, c'est dégueu, c'est dégueu. Pourquoi t'as un toit ici, là? Bah, je sais pas. Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Là, je suis très fière de moi. Non, t'aimes pas? Bah, non. Bah, si, c'est qualité, quand même. Regarde, c'est quali, moi, je trouve. Comment ça, t'aimes pas? C'est quoi que t'aimes pas, pour le moment? Je sais pas, les deux toits qui se rejoignent, là, j'aime pas. Je t'ai dit que j'étais nulle en toit. Bon, un peu de compréhension, d'accord? Tu pourras les arranger si tu veux. Et on dirait que tu sais mieux faire que moi, donc tu feras, hein. Là, c'est beau comme ça, qu'est-ce t'en dis? La petite terrasse là, devant ça va. Ah, tu vois qu'on aura un Porsche, on aura un Porsche les gars, c'est bon, c'est décidé. Là, on va être... Oh là là, trop mignon. C'est pas trop mignon? J'aime bien mettre ça, mais bon, bah c'est plus trop... Mais c'est les vieux qui mettent ça. Je suis vieux, ok? J'adore, c'est trop mignon. Ah, ça va bientôt être à toi, il me reste 44 secondes, j'ai peur que je détruise tout. Attends. Même pas quoi faire, je sais même pas par quoi commencer. Bah tant mieux. Ah, une cheminée comme ça, c'est cute. Toi, t'auras juste à mettre du coup les fenêtres. Par contre, pour mettre les fenêtres, on va essayer de délimiter les pièces dedans. Comment je mets une baie vitrée, là, ta maison, elle est surélevée. Bah... Attends. Tiens, t'es intelligente, toi. Tu mets un Porsche, tu vois, tu prends ça, c'est un Porsche, tu le mets là. Je suis gentille, je te le place, ok? Et là, tu mets des escaliers, c'est tout simple. Là, tu pourras mettre ta baie vitrée, d'accord? Ici. Allez, 3, moi, 2, 1, c'est à toi. Déjà, pour délimiter les pièces, tu m'avais dit, il faut aller ici, non? Ah. Il faut prendre les murs. C'est ça les murs? Oui, c'est ça un mur. C'est ça un mur. Alors. Elle est pas un peu petite? Ah non, ça va franchement. Alors, ça c'est l'entrée. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, moi je vais déjà faire les... Tu fais un couloir? Oh là là, qu'est-ce qui me fait celui-là? J'ai envie de faire les toilettes à l'entrée. Elles sont un peu grandes tes toilettes. Là, ah ouais, franchement... mais je sais pas, moi j'ai pas le... Je peux tout faire dans les toilettes là, franchement c'est trop grand. Voilà, fais retour, c'est mieux. Alors, je vais peut-être faire une pièce directement. Comme ouais, ça. Voilà, fais comme ça. Pour des toilettes, ça c'est suffisant. Hein. Ah ouais? Oui, vraiment. Après, je vais faire un mur. Là, ça va être le salon là. Ouais. Là, ça va être le salon, du coup on va le délimiter. Tu veux fermer le salon? Putain, mais à chaque fois tu mets des doutes. Je sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire, t'es paniqué. Attends. Mais si, genre on peut faire comme ça, hop, voilà. Et genre là on fait une petite ouverture, tu sais, ah, on arrondit là. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu veux. Ensuite, je peux dire des gros mots, non? Oui, tu oui, peux. Oui, bon bah voilà. Ah, sont les fenêtres, tiens, je vais faire le salon d'abord. Les baies vitrées. Non, c'est pas là. En plus, tu rigoles. Une baie vitrée, c'est une porte, chou, donc c'est pas dans les fenêtres. Ah, c'est ça? Oui. Mais c'est pas un peu petit? Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai lui mis le Porsche exprès pour mettre là. Ah, mais moi, je le voulais là, du coup. Ah, ben mets-le là et déplace le Porsche après. Hop.
Comment je l'enlève? Tu prends la... Comment je l'enlève? Prends la flèche. Et ça, genre, je peux le prendre et le mettre là? Oui. Alors, clique dessus. Clique. Tu prends ça. Voilà. Et tu le déplaces. Voyons. Si, c'est pas beau, ça. Ah, c'est mal mis. Mais non, mal, c'est pas mal, là. Voilà. Voilà. Là, ça rentre dans la maison, là. Je crois... Mais si, c'était bon là. Tu vois, on peut pas là. Ah, mais tu l'as pas collé. Mais oui, mais je l'ai pas collé, mais je peux pas moi. Tu vois, c'est pas. C'est pas quoi? C'est pas entre les deux, c'est pas bien. C'est pas grave. Alors moi, j'ai fait les choses dans le désordre. Oh mais pourquoi? D'accord. J'ai horreur de ça. Enfin, les choses dans le désordre. Et il fait la. Pourquoi tu fais la piscine? On a même pas fini la maison, qui fait le jardin. Parce que. Mais de toute façon, il te reste 1 minute 30 alors. Mais qu'est-ce que tu fais, dis? C'est quoi? C'est MP diluve. Ok. Voilà. Et tu peux agrémenter ta piscine maintenant autour de bordure de piscine. Tu peux mettre ce que tu veux et comment. Pas mettre du marbre partout, il a une passion pour le marbre. Non, j'aime bien le bois autour des piscines. Moi. C'est pas du bois, c'est de la pierre, mais c'est de la pierre, ça. Oui, non, ça c'est pour les fontaines. Okay. Là, t'as des trucs pour les piscines. Vas-y, il te reste 8 secondes. Non, là, c'est ça. Là ici, mais... oui, là, 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 ça, oui, non, c'est fini, c'est à moi. Non, oh, mais quelle horreur, voilà tout ce que je dois rattraper comme connerie. Je me retrouve à faire une piscine. Mais non, ah, tu veux pas, toi. D'accord, toi tu t'occupes de la piscine en fait, c'est ce que j'ai compris. Bon, tes toilettes là, c'est dégueulasse. On va les faire comme attends, ça. J'ai fait ça tout à l'heure, tu m'as dit que c'était beaucoup trop grand. Là, c'est bon. Là, tu veux les toilettes là. Tu veux qu'ils pissent comme ça, tes Sims? Mais c'est bon. Oh, ils ont de la place, hein. Bon, on va mettre des lumières parce qu'on voit rien. Les pièces là, ça va pas du tout. Je sais pas ce que t'as fait. Bah, c'est affreux. Mais ici, tu fais une petite ouverture. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Non, je n'aime pas. Là, ça va être la cuisine, d'accord? Comme ça, ça donne sur la piscine. La cuisine, elle donne sur la piscine, on est d'accord? Ouais, si, ouais, t'as peut-être pas toi, si, t'as peut-être raison. J'ai toujours raison. Là, ça peut être une chambre. Non. Bah, grosse ta chambre. Non, franchement, ça va. Elle est toute petite en vrai. Et puis à côté, tu mets la salle de bain. Voilà, et là on va faire une salle de bain. Mais non, mais la salle de bain, tu la mets là, juste à côté là. Ah, tu veux la mettre là? Eh oui. Ah, mais c'est qu'il est pas bête ce mec. Hop, comme ça. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, d'accord, ok. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. T'as toujours pas mis de fenêtre. On se demande ce que t'as fait. Je sais pas où il est passé. Oh, bah oui, bah ça se voit. Par contre, ce bois là que t'as mis le tard de la maison, ça, ça va. C'est pas du bois, mais c'est pas du bois. Je sais pas, c'est une matière bizarre, mais c'est pas du bois en tout cas. C'est pas du bois. Non, c'est pas du bois ça. Est-ce que c'est du bois? Désolé, mais c'est la gueule d'être du bois, oui. C'est du faux bois. Pourquoi ces fenêtres d'ailleurs? Bah, je les aime. Non, mais ça va, regarde, c'est joli. Quand tu fais comme ça, c'est beau. Mais j'aime pas ce style en fait. Mais moi non plus, j'aime pas ton style. Bah, c'est pas parce que c'est marron que c'est du bois, hein. Tu vois pas que c'est du bois? Dites-moi en commentaire si c'est du bois. Moi, je vois pas du bois. C'est pas marrant. Oh, ces portes, elles sont incroyables. J'ai des portes préférées que je trouve pas et ça m'énerve parce qu'à chaque fois, je les trouve pas. Et après, je suis désespérée et je pleure. Et voilà, ils sont là. Desserre des fesses, c'est bon. Pète un coup, comme on dirait chez nous. Attends, les portes, je les veux blanches ou un peu beige comme ça. Ouais. Beige, ça va. Tu vois, j'ai des bons goûts. Attends, ça, on l'a pas mis. Et là, je suis désolée, je suis en PLS quand on met pas ça. Mais pourquoi tu l'avais fermé? Je sais pas. Ah, tu sais pas. Ça, j'adore, mais toi, tu vas pas aimer, mais c'est pas grave parce que on va dire que c'est moi qui décide pour le moment. Mais en fait, c'est pas du tout ton style. Enfin, on est au Maroc ou quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, on dirait pas un petit peu, non? Mais pas du tout! C'est pas du tout un style marocain! Bah, enfin bref, en tout cas, c'est pas du tout le style que je connais de toi. C'est, non, c'est ça veut dire que tu me connais pas. Je vous avais dit que notre couple il allait pas survivre! C'est pas du tout ça que tu voulais de base. Tu m'as toujours dit que tu voulais une maison crépi. Y'a pas de crépi! Tu mets de la peinture! Moi j'aime bien. J'ai le droit d'aimer ou pas? Tu sais quoi ces fenêtres de marin là-haut là? De marin? C'est pas une fenêtre de marin, c'est une fenêtre adorable. Par contre, si tu me sors un petit balcon là, arrangé là, comme je viens de voir. Je suis pas asbina à ce point. Ok, je place des petites fleurs, mais c'est joli. Bon, je vais faire le sol de la cuisine parce que sinon il va me faire une catastrophe de marbre là. On n'est pas sorti de l'auberge. Il n'y aura pas de marbre. Il y a un carrelage que tu as adoré, ma chérie. On est d'accord, il est incroyable ce truc. Bah tiens, montre ça. Par contre, je vais mettre une poutre pour délimiter. Moi, je préfère parce qu'après là, on va mettre un autre revêtement. Le carrelage du mur. Là, on est d'accord. Le reste, je veux que ce soit blanc. Vite, sinon je vais mettre des couleurs bizarres. 5 secondes. Attends, il va tout le salon. Je sais pas, tu te démerdes. Une seconde. Ok, c'est à toi. Mais attends, mais tu m'as mis où là? Eh ben, le salon, il est attenant. Voilà. Il est là en fait, le salon. Ouais, je sais pas. En fait, je t'ai montré un endroit, mais je sais pas où je suis. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les meubles. Non! C'est en haut, je t'ai dit. Alors, on va faire un îlot central. Parce que moi, je veux un îlot central. Mais okay. Là, c'est pas possible chez nous. Prends pas un truc tout délabré. Mais tout délabré. On est chez les ploucs ou quoi? Un peu de respect pour les ploucs. On en fait partie. On est des beaufs ploucs. Après, on travaille annonciateur. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Rouge! On peut pas le tourner, on peut pas mettre de couleur. Mais si! Mais j'y ferai après ça. Mais d'accord. Non? Si? Bah, change de couleur maintenant. Mais comment je fais? Bah, tu cliques sur la couleur et tu choisis. Ah, d'accord. Avec la
J'ai l'impression qu'avec moi on va pas avancer. Hein. Et en fait, je vais devoir tout me farcir en fait. Pour que ça ressemble à une maison, c'est moi qui vais devoir tout faire. Ce qui est pas mal, c'est que là je vais tout faire et tout, sauf que c'est un jeu. Mais toi, tu vas devoir tout faire dans la réalité parce que je ne sais pas faire les travaux. Y a pas de souci. Est-ce que tu choisis ta couleur depuis littéralement 46 ans? Oui, alors pas de jugement, pas de jugement. Ah bah c'est joli. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi faire. Oui, bah oui. Ça va être nos rangements et tout, tu vois. Là, il y aura un lavabo quelque part. Fais au lieu de dire. Mais oui, mais je tu vas devoir tout faire après. Comment? Non, fallait pas faire ça, fallait prendre le coin là. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Mais je sais pas moi. Mais comment je l'enlève? Hop ça. Clique sur les couleurs. Le coin, ça. Ici. Tu le mets, tu reprends un normal. Mais non. Oh mais c'est dur. Voilà. Ah, et... c'est beau. Il est où le frigo? Le frigo, je sais pas. Attends, mais moi il me faut un lavabo. Il est beau le lavabo. Il est sans sas celui-ci. Il est quoi? Sans sas. Il est sans sas. Sans sas. Sensationnel quoi. Ah, il est joli. On va mettre un frigo quelque part. Pourquoi tu le mets là? Parce qu'il y a pas de place. Hein. Mais t'enlèves un truc. Ah, tu peux le mettre à l'envers aussi, c'est pas mal. Ah. Moi bébé. Mais j'arrive pas. Mais là, lâche-le. Mais tu vois bien qu'il y a un problème là. Mais remets-le à la place. Il est pas collé. Tu veux changer la couleur ou pas? Parce que là t'as mis orange. Bah oui, c'est compliqué. C'est fini, à moi. Bon, là je vais devoir vraiment accélérer. Pas touche à ma cuisine. Pourquoi t'étais dans la salle de bain? Pas touche à ma cuisine. Mais je suis obligée de toucher puisque t'as rien mis. T'as même pas de gazinière. Mais c'est normal. Pourquoi c'est normal? Au silex. Oui, on fait le feu au silex. Je souffle. On souffle, on soufflame. Mais je fais pas de la merde, j'arrange tes conneries. Va t'occuper de la chambre, de la déco. Écoute, je vais m'occuper de tout à ce stade. Parce que là, il reste... Oh. Non mais là on va jamais avoir fini. Il reste 10 minutes là. Sauf qu'il y a 5 minutes qui t'appartiennent. Donc là il reste la moitié du temps, on peut dire. Parce que franchement, vu à l'allure où tu vas, Lilo il est beaucoup trop... Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. C'était la surprise du chef. N'empêche, ce qui est bien, tu vois, c'est que là, tu respectes mon style un peu industriel là, de ma cuisine. Oui, mais atteins la chambre, parce que là, franchement. Bah, dépêche-toi, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Hein. Il n'y a même pas de salon, il n'y a pas de télé. Je vais mettre. Je souffle fort, hein. Ok, on se concentre. Sarah, vite. Coucou neige, hop. Les petites chaises rondoulettes. De toute façon, je vais pas y toucher, hein, ta merde. Hein. Bah, c'est sympa, merci. Vous voyez comme il est gentil avec moi. Là, t'as pas mis de déco, t'as pas mis de babiole, t'as pas mis de panière à fruits. T'as rien mis en fait. Oh, ça c'est trop chou. On peut mettre ça. Mais pourquoi il y a des tongs? Mais c'est trop mignon. Hey, on est pas en camping hein. Là c'est beau comme ça. Dis que c'est un peu beau quand même. Non bah non, moi j'aime pas ton style. J'aime pas ton style non plus. Là je panique. Je sais pas, me demande pas pourquoi ça, je sais pas. C'est pour qu'il y ait quelque chose, pour que ça meuble un peu, d'accord? À mon avis la personne qui a fait ça doit avoir des problèmes dans sa vie hein. Mais pourquoi? C'est horrible. Mais non, c'est beau. Oh, t'as pas fait la chambre? Non, mais ouais grave. Purée de patates de singe là. Oh, je suis stressée. Est-ce que tu vois comment je suis stressée? Ah oui, je le vois. Mais tu le vois, mais tu... Hop, j'essaie de faire une déco à peu près... Bah il te reste 1 minute 30. Non, arrête, c'est vrai. J'ai l'impression de jouer ma vie, là, tu te rends compte ou pas? Ça va être moche si tu le fais. Parce qu'on a pas le même style. Les tables MME, elles sont là. Ok, tapis. Tapis gris, tapis de souris. Attends, c'est bon. Non, je veux pas qu'il fasse la déco de la chambre, non. Mais de toute façon, j'ai pas eu touché à la chambre. Ok, vas-y, fini. Mais non, t'as encore... Non, il me reste 1 minute. Encore. Mais je suis tombée en plus de ça et tu me le dis pas. Et il faut que je sois un peu plus zen. Et d'ailleurs, les abonnés, dans les commentaires, dites-nous si vous préférez le style de Sarah Coconing ou le mien industriel. Bon, le mien, on le voit pas trop là pour l'instant parce que bon, c'est un petit peu. Voilà. Un beau tableau, tu l'aimes pas? C'est pas un tableau, c'est un miroir. Ah oui. Ah, dépêche-toi. Mais je me dépêche. Comment je lève les chicots, moi? N'importe quoi. Quoi? N'importe quoi. Non. Il y a même pas de chiottes. Mais t'as qu'à les mettre, tes chiottes. Moi, j'ai posé ma pêche, moi. Allez, hop. Ah, c'est à moi, maintenant. Voilà, là. Allez, comment ça? Comment j'enlève ça, moi? Comment j'enlève ça? Clique sur la flèche. La flèche, elle est où? Elle est là. Fais les toilettes, au moins. Oui, les toilettes. C'est où? Ah, c'est ça. T'es dans les tapis. Ah, pour affiner, non? Il faut les toilettes du Japon. Mais les pose pas là, il y a la porte. Bah oui, mais j'y vois rien. Mais tourne, the bee. Je sais pas, c'est au moins de la des toilettes. Attends, mais il nous faut un salon. Allez, le salon, allez, un canapé. On va poser un canapé, sous les canapés. Bah, il y en a plein. Celui-là, il est beau, il est cocooning. Ah, enlève ta main. Enlève-toi ta main. C'est pas beau. Ça, c'est un canapé industriel. Johnny Zest. Non, mais il avait le canapé industriel. C'est celui-là? Mais c'est celui-là. Pourquoi tu le mets là? Mais parce qu'il n'y a pas de place dans ta maison là. Mais pourquoi tu fais pas le salon? Et vas-y, là. Je fais le salon là. Ça me tend. Je fais le salon. Je suis tendax. J'attendais comme un string. Tu fais quoi là? Un mur. Faut bien qu'on sépare le salon de la chambre, non? Mais tu vois pas qu'il y a un mur là? Ah oui, c'est vrai. La télé. Mais
Là, il y a un truc industriel, là. Il est là. C'est du bois. C'est industriel, le bois. Le bois, pour moi, c'est plus cocooning. Mais cocooning. Pas du tout, puisque c'est du métal. Allez, hop, ça. Je lui dis depuis 45 ans. On va mettre un tapis. Mais c'est pas beau. Il faut que tu changes les coloris aussi, peut-être. Oui, mais j'ai pas le temps de changer les coloris, moi. Ah, ça va. Allez, hop. C'est quoi, la salle de bain? Il n'y a pas de salle de bain. Bah, mets un bain. Oh, c'est beau ça. C'est quoi? C'est joli. C'est quoi cette maison? C'est un mélange de cocooning, d'industriel et de science-fiction maintenant. J'ai mal au bras. Mais c'est pas une raison pour mettre de la merde, c'est moche. Si à chaque fois que je fais une construction moche, je dis j'ai mal au bras, bah ça va pas passer, hein. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche des lumières. Oh, c'est clair. Il y a même pas de carrelage, il y a même pas. Oui, mais t'as avec un. Mais les petites là. C'est émouvant ça. C'est émouvant. Oui, c'est le sol. Mais qu'est-ce que je... C'est du bois. Il y a que du bois là, il faut que tu prennes du carrelage. Ah, mais pourquoi tu m'as pas. Ah, tu m'avais dit déjà. Il reste 15 secondes. Un petit arbre. Hop là. Mais il rentre dans la maison. Voilà. 2, 1, fini. Qu'est-ce que t'as mis là? C'est moche. Pourquoi t'as mis ça? Je sais pas. C'est un rapport avec le tapis. Dehors, c'est beau. Désolé, mais moi j'ai fait tout le dehors et c'est potable. Regarde mon petit arbre comme il est joli. Il est mignon. Pourquoi il manque un truc là? Parce que tu l'as pas mis. Mais non, je l'avais mis. C'est très. Est-ce qu'on avait. Allez. De là, sur le plan, on se dit belle maison. Bon, quand on arrive dans la maison, ça donne ça. Qu'est-ce que t'en penses? Genre. Moi, j'en déjà, pense... il manque un bout de mur. Moi, j'en pense que déjà, ce qui fait pitié, c'est ça là, le petit tuyau. Alors, on a une fenêtre et il n'y a pas d'étage. Mais c'est pour amener de la lumière. Et ça fait stylé, je trouve. D'accord. Les fleurs là, c'est joli. Non. C'est très beau. Non, c'est pas beau. On va parler de cette plante là. Non, mais en fait, de base, je voulais les mettre devant là, tu vois. Un cache-misère quoi. Mais non, c'est le seul truc qui réussit le devant. Je suis désolée. Bon, on rentre dans la maison, on voit ce que ça va. On commence par quoi? Ce qui est mieux fait? Mais attends, mais c'est une des télé moi, c'est une moi que j'ai mis. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais je sais pas, c'est dans la précipitation et tout, tu vois. Bon, voilà. J'aime bien ce canapé. Bah oui, c'est industriel, c'est dégueulasse. Par contre, j'aurais toujours eu la couleur. Non, no comment. Genre vraiment, je sais pas quoi dire. Le tapis, il est limite plus grand que notre chambre. Les toilettes, ah oui. Mais oui, mais j'arrivais pas. Alors, si vous voulez aller aux toilettes chez nous, bienvenue. Hop, faut de suite y aller. Genre vraiment, la porte elle s'ouvre pas. T'es obligé d'y aller. Mais c'est des toilettes japonaises. Mais non, il faut se munir d'un marteau, tu casses le mur et puis. Voilà, tu peux. C'est le seul moyen d'y aller. Non mais c'est n'importe quoi. Là, désolé, mais vu comme ça, c'est bon. Non mais alors déjà, tu as une hotte. T'as pas de plaque. Ah oui. Sur moi, la plaque, je vais la mettre là, la plaque sur la. J'oublie tout le temps de mettre les plaques. Mais j'ai mis la gazinière, mais j'oublie tout le temps de mettre les plaques. Et les gens ils râlent parce que j'oublie tout le temps. Bah oui, bah là ils vont râler. Et déchaînez-vous, hein. Par contre, là c'est joli, c'est le seul petit coin mignon. T'as pas l'air convaincu. Non. Bon, bah c'est pas grave. Bon, là attention, petite terrasse. Ça vient de moi là. Bon, bah voilà quoi, c'est fade non, quoi. Mais ça va. Par contre, ces rambardes que t'as mises, elles ont pas leur mal vieilli, tu vois, elles ont pas pour rouler. Ah oui. Genre, tu vas choper le tétanos avec ça, non? Oui, faut être vacciné parce que là sinon tu t'en sors un peu mal. On va faire le pire pour la fin. Je sais pas ce que t'as fait dans la salle de bain, mais. Eh oui, mais j'ai pris une douche. Comme je sais pas, dans ton cerveau, ça c'est les fils, ils se sont touchés. Oui. Ah, regarde, non, franchement, ça c'est la pièce la mieux faite. C'est comme ce tapis là, je l'avais acheté. Action. Action. Oui, hein. Notre chapi c'est dessus. Notre chapi c'est dessus. Mais c'est pour ça que je le mets parce que je veux le mettre dans la vraie vie, mais bon, le mur, qu'est-ce que t'en dis? C'est beau? Non, moi je préfère les couleurs unies. Là, c'est joli. Non, mais là on se rend dans une chambre d'adolescente quoi. Mais pas du tout. Mais si, est-ce que ce miroir avec des photos là? C'est qui? C'est Gugus là, j'en sais rien moi. Ah, c'est toi? Non, narcissique un peu, non? C'est pas vrai. Bon, encore une vue du merveilleux salon que Lucas nous a fait, hein, incroyable. Et là, alors attention, j'ai pas compris, on a la salle de bain, qui a même pas de carrelage au mur, juste une douche de science-fiction. Mais qu'est-ce que c'est? Mais là, c'est beaucoup trop bas cette lampe, pourquoi t'as mis ça? Mais je sais, mais on est des nains, de toute façon. Bah c'est ça le problème, et puis c'est quoi ça? Je sais pas, je pensais que c'était beau. Non, non, plus c'est cool, hein. Retour vers le futur. Retour vers rien du tout, c'est très laid, hein. En vrai? Non. Non, ça va pas. Je prendrais rien de tout ça. On était censé faire notre maison de rêve et ça ressemble à ça. Non, mais 30 minutes, c'est beaucoup trop court. Bah oui, mais je pensais qu'on allait mieux réussir. Attends, j'ai quand même envie de faire un truc. Elle va aller quand même regarder quelque chose à la télé pour voir, pour que tu te rendes compte à quel point ça va pas. Voilà. En vrai, ça peut être cool pour jouer à Fortnite d'avoir un truc comme ça. Oh, ça me rappelle un mauvais souvenir, là, le petit carré avec les trucs verts, là, quand j'ai fait le 7 baby machin, là. Ah oui, parce qu'on a fait une vidéo aussi où il a fait un 7 baby challenge. Et d'ailleurs, il y a eu 10 000 j'aime sur la vidéo du 7 baby challenge que je vous mets dans le petit en haut. Du coup, le 100 baby arrive très bientôt, hein, mais ça demande de la préparation et surtout de la psychologie parce qu'il n'est pas prêt. Je suis pas prêt. Bon, comme je l'ai dit, c'était pas une grande réussite. Donc, si vous voulez une partie 2 où cette fois on le refait, mais sans limite de temps, bon, à mon avis, ça va durer au moins 2-3 heures, mais c'est pas grave. Combien de pouces bleus on demande? 10 000, c'est bon, c'est faisable. 10 000, c'est faisable, vraiment, on compte sur vous. Enfin, pas trop, enfin, et pas trop vite, hein, parce que mentalement, là, vraiment, on s'est pas trop pris la tête, ça va. Mais je pense que sans limite de temps, avec la déco, etc., ça va être une catastrophe. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, et à la prochaine. Ciao.